Fort de sa victoire 4-1 la semaine précédente face au Havre, Auxerre se déplace à Lens. Des Lensois qui peuvent revenir à hauteur de la GIA en cas de succès face aux Bourguignons. Des Bourguignons qui entrent le mieux dans ce match. Il faut toute la classe de Rudy Rioux pour sortir la double tentative de Paul-Georges Entep et Sébastien Allaire. On retrouve le duo auxerrois sur la deuxième opportunité du club. L'intelligence d'Entep qui glisse parfaitement le ballon pour Allaire, mais le numéro 31 ne cadre pas sa frappe. Lens est dominé et acculé sur ses buts. Accélération d'Olivier Capot côté droit. Allaire s'efface pour la reprise de Steven Langille. Cette fois, c'est Alexandre Keuf qui sauve les sang et or. Lens est en difficulté dans cette première période, mais va se créer une superbe occasion. Débordement de Demé Ndiaye, remise d'Ange Freddy Plumin. Jérôme Lemoigne arrive comme une bombe, mais trouve la main ferme d'Olivier Saurin. On a vu 45 premières minutes plaisantes, mais sans but. 0-0 à la pause. En seconde période, Lens montre un visage un peu plus conquérant. Johan Tousgard prend sa chance des 16 mètres, mais tombe lui aussi sur la main ferme du gardien auxerrois. Olivier Saurin, très peu sollicité en première période et cette fois nettement plus en vue. Le portier de la GIA sort ensuite la tentative de Pierrick Valdivia. La physionomie du match change totalement dans cette seconde période. Lens domine largement et se crée des occasions. Jérémy Bella, tout juste entré en jeu, serre Tousgard. Cette fois la frappe du Lensois trompe Olivier Saurin. Lens mène 1-0 grâce au 9e but de la saison du franco-algérien. Les choses se compliquent ensuite pour la GIA avec l'expulsion d'Amadou Sidibé pour un deuxième carton jaune. Réduit à 10, les Bourguignons ne marqueront pas, la marque n'évoluera plus, 1-0, score final.